Seigneur, enlève tout endoctrinement contraire à ta volonté dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'abondance que tu as pour chacun de nous. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Nous sommes dans Psaume 73. Psaume 73, verset 1. Psaume 73, verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Dieu est bon en toutes circonstances, en toute génération, Dieu est bon. Partout, lorsque nous sommes faibles, Dieu est bon. Maintenant, nous venons et nous voyons une confession personnelle dans la vie de David, dans le verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir. C'est personnel. C'est comme ça que cet homme pouvait percevoir la vie. Verset 2, Psaume 73, verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Verset 3. Il s'agit là d'une position personnelle. Il parle de la provision, de la puissance de Dieu, du privilège du croyant. Ici, c'est privilège, c'est personnel à lui. Et dès que je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Verset 4. Il nous dit de comment lui perçoit les choses. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Lorsqu'il observe les méchants ici, sur terre, partout, dans la génération où il a vécu, il dit, il n'y a personne qui fasse le bien, il n'y a rien. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. À présent, quand nous revenons au verset 1, vous comprenez que, comme vous considérez le père de la nation, Abraham, il était un homme prospère par Dieu. Il était rendu prospère par Dieu. Et lorsque vous parlez Abraham, est-ce que vous voyez Abraham enviant un méchant, enviant Abimelech et les autres, comme nous parlons de cela. Parlons d'Isaac maintenant. Isaac pouvait savoir que Dieu était bon, il était bon pour lui. Lorsqu'il sema cette année-là, Dieu lui donna le multiple de ce qu'il avait semé. Mais Isaac ne pouvait pas dire j'envie les méchants, mais les gens du monde ont envié Isaac. Ils ont dit, depuis que tu es venu dans notre contrée, toutes les richesses, tous les trésors sont allés vers toi. Voyez la vie de Moïse au temps d'Israël. Moïse ne pouvait pas dire que j'envie l'Égypte, la méchante Égypte, les Égyptiens, les méchants, ils ont ceci et nous ne l'avons pas. Mais l'eau est sortie du rocher pour tous les enfants d'Israël. Voyez la vie de Josué. Il ne pouvait pas dire, ah, j'envie, je convoite les Cananéens, nous sommes, ils sont bénis et nous n'avons rien, mais nous souffrons, nous, tout le temps. Non, Josué n'enviait pas les Cananéens. Les Cananéens, ce sont eux qui enviaient les enfants d'Israël. Et maintenant, ils se sont même assemblés. Tous, ils se sont mis en coalition pour venir combattre contre Josué parce que il craignait sa prospérité. Et le Seigneur a dit, je te donne toute la production, tout le bien du pays, les eaux et les jardins, tous les puits, toutes les fontaines d'eau. Dieu dit, je t'ai donné. Voyons dans la note récemment, on dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et que vous soyez dans l'abondance. Pierre dit, Seigneur, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous avons en retour? Et de conserver tous ceux qui ont abandonné terre, maison, les frères et sœurs, femmes et toutes choses. Et dit, ils vont hériter 100 fois
tout dans cette vie et aussi dans la vie à venir, dans l'éternité. L'apôtre Paul maintenant est dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Ce que je veux dire ici, c'est que quand vous considérez les Écritures depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament, vous allez voir que Dieu a créé toutes choses pour l'homme et pour les croyants, pour que les croyants puissent en jouir. Après avoir créé toute la terre, toutes les créatures, les eaux, les arbres, les montagnes, toutes les autres choses. Ensuite, il a créé l'homme et dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Remplis la terre parce que tout est à toi. Tout dans le jardin et tout à l'extérieur du jardin. Comprenez que Dieu voulait que nous puissions jouir des choses qu'il a créées. Ce n'est pas simplement pour les pécheurs dans le monde. Aujourd'hui, nous considérons le message titré « La prospérité désirable du juste ». La prospérité désirable du juste. Nous lisons à partir de Psaume 35, verset 27. Psaume 35, verset 27. Qu'ils aient de l'allégresse. Qu'ils aient de l'allégresse, qu'ils ne soient pas dans la détresse, dans la honte, mais qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, exalté soit l'Éternel. La joie, l'allégresse, Dieu trouve plaisir dans la prospérité de ses serviteurs. Dieu trouve plaisir. Il a la joie de voir ses serviteurs être prospères. Il a fait la provision pour la prospérité de ses serviteurs. Ce message, nous allons le considérer sous trois points. Point numéro un, c'est croire et obéir aux lois de la prospérité promise. Nous pouvons voir qu'il y a les lois qui gouvernent toutes choses. En réalité, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, tout était disponible. Il leur a donné la loi. La loi, cultiver la terre et assujettissez, cultiver le jardin. Ils devaient cultiver. Il leur a donné la loi afin que la prospérité qu'il leur a donnée puisse rester avec eux pour toujours. Vous allez comprendre les lois de la prospérité et vous allez y croire en ces lois. Vous allez obéir aux lois de la prospérité. En cette vie, à partir d'aujourd'hui, la prospérité commencera dans votre vie. Croire et obéir aux lois de la prospérité promise. Deuxième point, c'est croire. Deuxième point, c'est bâtir dans la sournoiserie tout en travaillant pour la prospérité périssable. Vous voyez les incroyants, ce qui se passe avec eux, ils comprennent les lois de la prospérité. Et ces lois opèrent pour tout le monde. Vous voyez, par exemple, si j'ai un objet dans ma main et que je jette cet objet en haut, cet objet reviendra à terre. Pourquoi? Pas parce que je suis un croyant, pas parce que je suis sanctifié, pas parce que je suis saint, mais à cause de cette loi qui est en opération. Si un homme méchant jette une pierre en haut, cette pierre reviendra à terre. Pourquoi? Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il est injuste, pas parce qu'il a de la magie, mais parce que à cause de cette loi de la gravité, si vous savez comment faire voler un avion et que vous allez dans la cabine de l'avion et vous faites ce qu'il faut faire, vous appuyez le bouton qu'il faut appuyer et vous suivez les lois de l'aviation, vous allez faire voler l'avion. Pas parce que vous êtes né de nouveau, mais à cause des lois. Si un incroyant se met dans cette cabine de l'avion et applique les lois de l'aviation, de l'aéronautique, il fera voler l'avion, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il a obéi à cette loi. Si vous obtenez des hectares de terre et que vous semez de manière approprié en une saison convenable, les choses vont produire, vont germer et vous aurez la bonne moisson, vous allez récolter et vous allez voir que vous avez prospéré. Pas parce que vous êtes né de nouveau, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas né de nouveau, mais parce que vous avez suivi la loi de semer et de moissonner.
Alors, sur ce point, les incroyants, ils comprennent les lois de Dieu là-bas. La loi d'avoir la vision, la loi de prendre des risques, ils comprennent la loi d'avoir une destination en tête. Et ils le veulent, ils désirent. Et ils se lèvent très tôt le matin et ils poursuivent cela. Parce qu'ils suivent, ils observent ces lois et ils sont en mesure d'avoir la prospérité. Mais malheureusement, pour nous les croyants, c'est seulement les prospérités. Pour les incroyants, c'est seulement la prospérité périssable. Mais vous, vous aurez la véritable prospérité. Que vous n'allez pas abandonner Dieu. Dans votre prospérité, vous n'allez pas abandonner Dieu. Mais vous allez servir Dieu. Et vous allez faire plus de bien dans la vie dans laquelle nous vivons maintenant. Et je peux voir maintenant ton visage pour toujours, tu seras heureux au nom de Jésus. Troisième point. Commencez avec les opportunités sur l'échelle de la prospérité préférable. Commencez avec les opportunités sur l'échelle de la prospérité préférable. Nous ne pouvons pas commencer tout d'un seul jour, mais c'est une échelle. Quand nous commençons l'échelle, nous ne sautons pas pour aller à la fin de l'échelle. Sinon, si vous le faites, vous allez couper, vous allez briser vos os, votre colonne vertébrale. Vous voyez, la prospérité a une échelle. Et chaque jour, quand vous placez vos pieds sur chaque escalier et vous montez sur les escaliers de l'échelle, la prospérité, les portes ouvertes vont ouvrir devant vous et un jour à la fois, comme vous entrez par ces portes ouvertes, un jour à la fois, un jour par moment, quand vous obtenez ces opportunités et que vous avancez, vous n'êtes pas dubitatif, vous n'êtes pas hésitatif, vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas indolent, vous n'êtes pas somnolent. Lorsque vous devez vous lever pour travailler, un jour à la fois, un pas à la fois, une étape après une autre, épaillant, dépensant, vivant de manière risquante, et vous allez ainsi posséder votre propre prospérité préférable. Et ce sera pour vous au nom de Jésus-Christ. Revenons au point numéro 1, c'est croire et obéir aux lois de la prospérité promise. Croire et obéir aux lois de la prospérité promise. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Où est l'homme là? Où est la femme là? L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est comme si l'homme, dans Psaume 73, avait oublié cette promesse de Deutéronome 28, de la provision de Dieu. Et il disait que, il a dit, toutes les nations de la terre étaient envieuses aux enfants d'Israël. Maintenant, ils voient que c'est son lui qui est en bas et que les incroyants sont au-dessus de lui. Si tu peux garder mes commandements et ma parole, il dit, je vais te positionner, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Numéro 1, vous devez désirer ce que Dieu a promis. Si vous dites, tout va bien pour moi, j'accepte ma situation, ma condition, lorsque j'irai au ciel, je serai heureux, je ne suis pas heureux maintenant. Je ne peux pas payer les frais de scolarité maintenant. Je ne peux pas payer mon loyer maintenant. Mais Dieu merci, il y a les croyants qui sont vraiment charitables. Ils m'aident, tout va bien pour moi. Si tu dis que ça va bien pour toi, si tu te sens à l'aise comme ça, rien ne se passera. Mais il doit y avoir un désir dans votre cœur.
dans le cœur, avoir le désir, désirer être possesseur de tout ce que Dieu a promis pour vous. Deuxième chose, c'est que vous devez vous renseigner, vous enquérir des lois de la prospérité. Quelles sont ces lois de la prospérité? Quels sont ces principes que Dieu a donné à ses enfants? Comment puis-je entrer dans le flot du succès, de la prospérité que le Seigneur a pourvu pour moi? Troisième chose, c'est que nous devons acquérir. Vous enquérez et vous acquérez. Vous acquérez les compétences, les habiletés nécessaires. Aujourd'hui, l'époque, notre ère actuelle, nous devons apprendre comment manipuler l'ordinateur. Nous devons apprendre comment découvrir les informations sur l'Internet. Les élèves et étudiants d'aujourd'hui ne sont pas ceux de 20 ans et d'il y a 20 ans. Les élèves des deux décennies passées. Mais avant de fouiller, de faire des recherches, c'était dans les bibliothèques. Mais maintenant, aujourd'hui, ils étudient, ils cherchent les informations. Mais la manière dont les enfants, les professeurs leur donnent des leçons, ce n'est pas la même manière. Si vous n'obtenez pas les capacités, les compétences de comment opérer tel, comment manipuler tel ou tel chose, vous serez laissé pour compte, j'allais dire. Alors que les promesses de Dieu sont là pour vous. Tu ne vas pas dire, ah, je vais regarder, m'observer. Ce sont là les incroyants, c'est eux ça. C'est eux, ça, les élèves, les étudiants croyants, ils sont les majeurs, les premiers dans l'école, dans l'université. Bon, moi, je veux seulement être avec le Seigneur. Tu dois désirer cela, parce que le Seigneur a dit que vous serez la tête et non la queue. Je ne serai pas la queue. Je dis, je ne serai pas la queue. Je ne serai pas la queue. Maintenant, vous admirez. Vous admirez. Vous vous regardez. Vous-même. Si vous étiez capable d'avoir un véhicule personnel, si vous êtes capable d'avoir une maison personnelle, si vous êtes capable d'éduquer vos enfants, si vous êtes capable d'apporter la nourriture à la table chaque fois, comment cela est-il possible? Vois-toi comme cet individu-là a cette image dans ta tête et admire cette image. C'est alors que cela vient de l'intérieur. Celui qui manque, celui qui traîne les pas en arrière, celui qui ne peut pas avancer, c'est à partir de son cœur. Quelqu'un qui ne peut rien produire, c'est à partir de son cœur. Mais vous admirez là où vous pouvez aller. Ah, lorsque vous atteignez ce point, parce que vous allez atteindre ce point-là. Et vous dites, lorsque je vais atteindre ce niveau, c'est ce que je vais atteindre. Et vous, j'admire être à ce niveau. J'admire me voir réussir. J'admire me voir prospérer. J'admire me voir être capable d'aider, d'être un bienfaiteur des autres. Maintenant, vous allez exiger des choses de vous-même. Exiger des choses de vous-même. Vous parlez à votre âme. Mon âme, lève-toi le matin. Vous parlez à votre âme. Va au travail. Vous parlez à votre âme. Trouve le travail. Vous parlez à votre âme. Commence à faire quelque chose. Peu importe ce que tu as à faire. Commence à faire. Et avance seulement. Vous allez exiger des choses de vous-même. Vous voyez, après notre cours primaire, le cours secondaire, aucun professeur, aucun enseignant ne peut courir derrière nous pour dire, si vous êtes à l'université par exemple, et que vous n'allez pas à l'université, au cours, à la faculté, personne ne va vous réveiller. Si vous restez à la maison, c'est votre choix. Si vous allez à l'université, vous voulez vous joindre au gang, au brigand, personne ne vous dira rien. C'est à vous-même. Qui serait, c'est à vous-même d'être le gendarme de vous-même. Vous allez vous réveiller vous-même. Vous allez vous susciter vous-même pour dire, j'irai. Lorsque vous sortez de l'université, personne ne va vous suivre pour dire, ah, lève-toi, fais ceci. Si tu décides de continuer à dormir jusqu'à X heures le matin, ce serait ton choix, ce sera vraiment ta bataille de vie. C'est à toi d'exiger cela de toi-même pour dire cette bénédiction de Dieu que le Seigneur m'a promise, qu'il a pourvu pour moi. Moi, je vais l'acquérir, je vais l'obtenir. Je vais quitter de derrière la queue pour aller à la tête. C'est ce que j'exige de moi-même et je vais le faire. Je n'entends pas mon peuple, je dis je le ferai. Ensuite, vous transpirez. Vous êtes prêt maintenant à transpirer. Vous voyez, cela va exiger de la sueur de votre foi.
tu mangeras à la sueur de ton front. Vous n'avez pas peur de votre transpiration, de votre sueur. Vous n'avez pas peur d'être fatigué. Vous n'avez pas peur de sortir le matin et ensuite de sortir pour aller transpirer là-bas au champ. Transpirer là-bas, là-bas. Remuez votre méninge. Remuez votre méninge, votre cerveau. Si vous ne remuez pas votre méninge, ces méninges, ce cerveau va dormir. Par exemple, voyez ma main droite. Est-ce que vous me regardez en haut là-bas? Est-ce que vous voyez? Voyez ma main droite. Si je suspends cette main en l'air et que rien n'est mauvais avec cette main, rien, cette main n'a rien de mal, la main n'est pas malade et je garde cette main suspendue une semaine, un mois, je ne rabaisse pas, je n'étends pas la main, je n'étends pas ma main. Et on demande, frère, qu'est-ce qui se passe avec ton bras? Ah, je veux juste que cette main se repose et que ce bras se repose et que je suspends ce bras-là pendant 3 mois. Ah, et après 3 mois, quand je vais enlever les bandes pour pouvoir vraiment redresser cette main, ce serait impossible parce qu'elle est restée là, croisée, elle est dormante, elle est inutile, elle est déjà morte. La même chose se passe avec notre cerveau. Vous avez un cerveau. Combien d'entre vous avez le cerveau? Mettez en fonction le cerveau. Remuez le cerveau, c'est là la transpiration, la sueur, et ensuite vous inspirez. Lorsque les hommes vous regardent, vous êtes quelqu'un qui réalise des objectifs. Quand quelqu'un vous regarde, vous êtes un visionnaire. Quand les hommes vous regardent, vous êtes en train d'avancer spirituellement, vous êtes au top, matériellement vous êtes au top, professionnellement vous êtes au sommet, et dans tous les domaines de votre vie, personne, il n'y a pas de aucun os en vous n'est faible, tout est fort, tout est au point en vous. Votre vie va inspirer d'autres personnes. Et si ils vont se dire, si tel ou tel peut le faire, moi aussi je peux le faire. Deutéronome chapitre 28, verset 8. Deutéronome chapitre 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et dans toutes tes entreprises, tu dois étendre ta main, tu dois faire sortir ta main dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donnez-moi un bon amen. Verset 12. L'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de terre, et pour bénir tout le travail de tes mains. Un croyant doit avoir un travail entre les mains, et c'est ce travail que vous faites. Si c'est petit, travaille là. Si c'est petit, si c'est pas ce que tu attends, commence par là. Commencez par là. Oui, je suis un grand diplômé. Voilà le travail, le seul travail que je peux faire. Commencez par là. L'Éternel ton Dieu bénira le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Voici, est-ce que c'est un type d'amen? C'est le type d'amen que vous avez à donner. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Job chapitre 22. Job 22, 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Je vous en supplie, Dieu a créé le monde et qu'il a mis le monde à fonctionner selon les lois. Les lois qu'il donne, il donne les lois à la terre. Et la loi fonctionne, la terre, j'allais dire, fonctionne, opère selon cette loi. C'est pourquoi vous avez la nuit, vous avez le jour. C'est pourquoi vous avez 7 jours pendant une année. C'est pourquoi vous avez de manière régulière janvier. C'est pourquoi vous avez tous les mois de manière régulière. C'est pourquoi vous avez les saisons. Les saisons, la saison sèche et la saison pluvieuse. Et il a fixé des lois pour semer, la loi de la semence et de la moisson. Quand vous recevez cette loi et de reçoit de sa bouche l'instruction, la loi, la manière dont nos yeux vont voir, la manière dont nos mains vont coordonner, Dieu a donné
les lois. Il a établi les lois à nos personnalités, à nos corps. Et si vous allez opérer, si vous devez vraiment opérer la machine qu'on vous envoie, vous devez connaître le manuel, les lois d'opération. Peut-être vous avez un véhicule qui vient avec le manuel d'opération et vous ne lisez jamais le manuel opératoire et que vous conduisez votre véhicule. Parfois, votre frein est allumé, votre frein est activé et parfois vous demandez pourquoi le véhicule là bouge comme ça. Vous avancez, mais le véhicule vous amène en arrière. Vous appuyez vos pieds sur l'accélérateur, mais rien ne bouge. Tout est au ralenti et ça fait du bruit. Et le véhicule ne fonctionne pas correctement. Et maintenant, vous allez faire fatiguer les pneus et tous ces freins-là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lu votre manuel et les lois qui devaient vous guider dans la conduite de ce véhicule, dans la gestion de ce véhicule pour atteindre votre destination de manière appropriée. Mais vous ne le faites pas. Maintenant, comme nous regardons notre corps, il a donné les lois de la manière dont notre corps doit fonctionner. Il y a un temps pour dormir, un temps où nous devons nous reposer, un temps où nous devons nous lever, un temps où nous devons travailler, un temps où nous devons nous concentrer. La concentration est très importante. Comment faire progresser? Maintenant, si vous ne marquez pas, si vous n'observez pas toutes ces lois, finalement, vous allez dire, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je regarde les incroyants, regarde dans le monde. Eux, ils prospèrent seulement. Ils prospèrent, sont dans la prospérité. Et me voici ici, minable. Suivez les lois. Les lois reçoivent l'instruction de sa bouche. Et mets dans ton cœur ses paroles. Et les choses vont changer. Dans ta vie, les choses vont changer. Dans ton travail, les choses vont changer. Vous allez travailler et le Seigneur bénira le travail de vos mains. Verset 27. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Verset 28. Voyons le verset 28. À tes résolutions, moi je vais décréter quelque chose. Je vais me résoudre pour quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens qui traversent seulement la vie. Peu importe tout ce que la vie m'offre, ça me va. Non, ça ne va pas pour toi. Tu n'es pas bien. Ah, tout ce que j'ai, si j'ai, je n'ai pas, oui, ça va pour moi. Non, ça ne va pas pour toi. Pourquoi ne pas décréter? Pourquoi ne pas dire? Si dans cette vie, à mon temps, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, qui reconnaît les lois de la prospérité et qui doit croire en ces lois-là et obéir à ces lois de la prospérité. Voici la voie, la manière dont je vais vivre. Fixez-vous un objectif, fixez-vous un but, ayez une destination finale. Fixez-vous des limites de temps, des échéances. Ne dites pas en l'air de manière vague, je vais prospérer. C'est vraiment général, c'est général. Mais dites, j'aurai telle chose à telle période. Mais à cause de cette période, vous faites un décret, vous mettez un plan en marche et vous avez un objectif, une cible et vous êtes capable maintenant de marcher vers cet objectif-là. Parce que vous êtes un croyant, le Seigneur a dit, ouvre ta bouche grandement et je le remplirai, je vais la remplir. Et parce que le Seigneur a dit, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrez la porte. Parce qu'il a dit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et à celui qui frappe on ouvre la porte. Parce qu'il a dit, tous... Qui parmi vous, en tant que père, si l'enfant demande le père lui donnera-t-il une pierre? Si vous, aussi méchant que vous l'êtes, vous savez comment donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre père qui est aux cieux pourra-t-il donner de bonnes choses à ses enfants? Maintenant, à cause de cela, quand vous décrétez ces choses seront établies à partir d'aujourd'hui. Et la lumière brillera, la lumière va resplendir sur votre chemin. Et cela va vous arriver aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel. Ne dis pas, mon cerveau ne marche pas, mon cerveau ne fonctionne pas. Confie-toi en l'Éternel. Dieu t'a créé et pratique le bien.
et il t'a créé comme le chef-d'œuvre de son ouvrage. Confie-toi en l'Éternel. Tu dis, je connais, je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu sera bon pour moi. Confie à toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure. Personne ne te déplacera pas, ne te déplacera de ce pays. Personne ne te chassera de la nation et personne ne pourra te détruire et te déplacer et détruire les provisions que le Seigneur a faites pour toi. Alors tu dois décréter, il a décrété à te concernant, pour toi, il a décrété au nom de Jésus-Christ. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Moi, je ne mourrai pas dans la faim. Je ne mourrai pas de la famine. En vérité, et de manière définie, fais de l'Éternel, tu vas prospérer. Dans le verset 4, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Est-ce que vous avez un désir? Je dis, avez-vous un désir? Vous voyez, c'est le problème de la plupart des gens. Je suis sauvé, je vais au ciel, hein? Je suis sauvé, j'espère le retour du Seigneur. Oui, si j'espère le retour du Seigneur, pourquoi dois-je étudier? Pourquoi dois-je aller à l'école? Pourquoi dois-je faire le master? Pourquoi dois-je avoir une profession, une activité? Comme si je dois attendre le retour du Seigneur, pourquoi dois-je chercher un emploi? Si j'attends le retour de Christ, pourquoi dois-je me marier? Pourquoi dois-je avoir les enfants? Ils n'ont pas le désir. Mais oui, le Seigneur revient. Mais il nous a pas donné une date précise. Il peut venir cette année. Il peut venir dans une décennie. Il peut venir dans 30 ans. Mais nous ne savons pas. Mais à cause de cette chose, cette réalité, nous travaillons lorsque nous attendons le Seigneur. Ayez le désir tout en attendant le retour du Seigneur. Et vous présentez ce désir au Seigneur pour dire, il va dire, c'est bon mon fils, je veux que tu le fasses, je veux que tu sois un symbole du progrès pour d'autres personnes. Je veux que les incroyants, les membres incroyants de ta famille qui puissent t'envier, afin que cette prospérité que tu as puisse les pousser à dire, si Dieu peut bénir notre frère, notre soeur, nos cousins, alors, je pense que cette chrétienté-là, c'est profitable. Je vais me joindre à lui. Et ils viendront avec toi en Christ dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. Dans ta famille, il agira. Dans ton progrès, il agira. Dans ton succès, j'allais dire, dans tes accomplissements, il agira. Vous allez y posséder. Et je vais y posséder. Je vais y posséder. Tout ce que le Seigneur a pourvu pour moi, je vais l'avoir au nom de Jésus. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais tout ce que le voleur a détruit, a volé, a égorgé, le Seigneur est venu pour restaurer. Le voleur ne vient que pour égorger. Le Seigneur est en train de réprimer l'esprit de la mort dans votre vie. Et maintenant la vie est arrivée. Le voleur ne vient que pour détruire. Maintenant, là où le voleur a détruit, le Seigneur est venu pour régénérer, pour restaurer, pour reconstruire, pour rebâtir, pour réfectionner. Il vous donne une vie meilleure. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Comment? Qu'elles soient comment?
Dis-le pour l'homme, pour que ton homme intérieur l'entende. Dis-le jusqu'à ce que ton homme intérieur l'entende et qu'elle soit dans l'abondance. Nous considérons Romains chapitre 8, verset 32. 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 Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Qu'il a livré pour combien de personnes? Il a livré Christ pour combien de personnes? Pour nous tous. Il a livré Christ pour combien d'entre nous? Pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Combien d'autres choses? Combien de choses auras-tu? Le Seigneur lui-même a fait la promesse. Le Seigneur lui-même, l'Éternel a fait la provision. Le Seigneur lui-même, il observe, il veille sur sa parole pour l'accomplir. L'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il y aura de l'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus. Deuxième point à présent, construire dans l'obscurité tout en œuvrant pour la prospérité périssable. Nous ne pouvons pas imiter les gens du monde parce que vous ne leur avez pas dit à propos de la vie meilleure. Vous ne leur avez pas annoncé à propos de la vie spirituelle. Vous ne leur avez pas parlé de la vie élevée, plus élevée. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils connaissent, c'est tout ce qu'ils voient. Pour eux, voir, c'est croire. Alors, tout ce qu'ils voient, c'est ce à quoi ils courent après. Et malheureusement pour eux, nous avons une responsabilité. La responsabilité nous incombe. Quelque part, nous sommes coupables parce que nous ne leur avons pas parlé de la propriété périssable. C'est tout ce qu'ils pensent. Mais quand et comment nous, les croyants du Nouveau Testament, nous sommes tellement différents des croyants de l'ancienne alliance. Les croyants de l'ancienne alliance, quand je pensais de connaître tout cela, c'était difficile pour moi, jusqu'à ce que je suis allé dans le sanctuaire. Ouais, le croyant de l'Ancien Testament, quand je pensais tout cela, jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu pour percevoir le sort. Mais les croyants de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ils voient leur fin. Que dit, même si ces gens ont la prospérité, ils voient leur fin, qu'ils n'ont pas la vie éternelle que Dieu donne. Et les croyants de l'Ancien Testament les laissent comme ça. Bon, moi, je m'en fous de leur prospérité païenne. Mais nous, maintenant, dans le Nouveau Testament, nous sommes différents. Dieu ne tarde pas de sa promesse, dans l'accomplissement de sa promesse, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Nous ne vivons pas comme, nous ne sommes pas comme l'homme de Psaume 73 qui dit, c'est quand je suis parvenu dans le sanctuaire que je me suis rendu compte de la fin du méchant. Malheureusement, c'était la réalité. Mais maintenant, nous comprenons que tous les incroyants dans le monde, que tout ce qu'ils ont comme prospérité, c'est Dieu qui leur a donné le cerveau. C'est Dieu qui leur a donné toute cette prospérité. Pourquoi ne pas se rapprocher d'eux pour leur dire? Cette chose va durer juste pour une chose. Mais est-ce que je peux t'en parler? Comment garder ta prospérité? Comment avoir quelque chose de plus? Comment avoir la prospérité? Voyez-les maintenant. Ceux qui sont les incroyants. Psaume 37, verset 7. Psaume 37, verset 7. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il dit, s'il peut faire ceci sans la prière, moi je peux réussir avec la prière. S'il peut atteindre cette destination sans la grâce, je peux y parvenir avec la grâce. S'il peut avoir cela sans être guidé, dirigé par le Saint-Esprit, je peux obtenir plus, davantage par la direction du Saint-Esprit. S'il peut posséder
tout ce qu'il a, avec tous les problèmes de sa vie, dans sa famille, moi, je peux avoir plus avec les solutions que j'ai dans ma famille. Parce que à cause de cela, vous n'allez plus envier les incroyants. Vous êtes à un niveau élevé, un niveau supérieur. Je vais le ramener à moi-même. Je suis à un niveau supérieur, plus élevé. Alors, vous n'allez pas envier les incroyants, les païens. Peu importe ce qu'ils ont rassemblé, amassé, vous allez avoir plus. Vous allez voir le maximum. Voyez le verset 8. Verset 8. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Laisse la colère. Il y a d'autres personnes. Quand ils voient des gens qui conduisent de meilleurs véhicules, des véhicules de classe, ils disent, ah non, si j'ai besoin de ça, mon Dieu va pouvoir cela pour moi. Si j'avais besoin, le Seigneur m'a donné Christ et il peut aussi gratuitement me donner toutes choses. Au lieu de parler de cette manière, de manière positive, ils sont en colère. Au lieu de dire que mon Dieu peut me donner ça. Ah, comment? Les incroyants, des mauvais, des méchants, des escrocs, qui sait combien il a volé, détourné du gouvernement pour acheter ce véhicule-là. Ils sont en colère, les croyants sont en colère et ils sont vraiment dans le courroux. Dieu dit aujourd'hui, il faut changer ta pensée, ta manière de réfléchir. Pourquoi tu accuses tout le monde en voyant la prospérité? Pourquoi tu accuses tous ceux qui sont devant toi? Certains d'entre eux sont des hommes honnêtes. Ils sont des gens fidèles. Cesse, laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Maintenant, dans le verset 9, car les méchants seront retranchés. Ne dites pas amen pour cela. Ça, il s'agit du langage de l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament, ils seront retranchés. Mais nous ne voulons pas qu'ils soient retranchés. Je dis, nous ne voulons pas qu'ils soient retranchés. Nous voulons qu'ils se répandent. Nous voulons qu'ils glorifient Dieu. Nous voulons qu'ils honorent Dieu. Nous voulons qu'ils jouissent de toutes les bonnes choses que Dieu a pourvues pour eux. Vous, oui, vous dites, pasteur, est-ce que Dieu donne des bonnes choses à ces injustes? Oui, il fait lever son soleil sur les bons et les méchants, les justes et les injustes. Et il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais, les justes et les injustes. C'est lui qui leur donne le souffle. Et c'est lui qui me donne le souffle, qui te donne le souffle. C'est lui qui les protège la nuit pendant qu'ils dorment comme morts. Et ils se réveillent, ils sont tous rafraîchis et ils se lèvent pour aller acquérir ce qu'ils veulent. C'est Dieu qui le fait. Et maintenant nous disons... Si nous parlons comme ça, lorsque vous étiez encore ennemi de Dieu, lorsque vous ne connaissez pas Jésus-Christ, combien Christ vous préservait, combien plus maintenant que vous êtes en Christ, il fera des choses merveilleuses dans votre vie. Certainement, il le fera au nom de Jésus. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel vont hériter la terre. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Est-ce que je peux avoir un amen là-bas? Mon frère, quel est le problème? Je n'ai pas d'emploi. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de profession. Il n'y a rien où gagner. Il n'y a pas quelque part où gagner le salaire. Il n'y a rien à faire pour nourrir la famille. S'il vous plaît, je me suis investi dans la prière. Et je suis allé au Seigneur dans la prière. J'ai attendu dans la prière au Seigneur. Et je n'ai pas eu le temps pour planter ma semence. Je n'ai pas le temps pour lire mes livres. Je n'ai pas de temps pour réussir. Parce que j'ai attendu le Seigneur. J'espère en l'Éternel. Voici la conséquence de ma confiance en l'Éternel. Non, tu n'es pas en train d'attendre de manière appropriée. Tu n'espères pas de manière appropriée. Si tu espères en l'Éternel de manière appropriée, voyez ce qu'il dit. Il dit, ceux qui espèrent en l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver? Je dis, qu'est-ce qui va se passer? Réveille-toi, réveillez-vous et dites-moi ce qui se passera. Ils posséderont le pays. Ils vont hériter, même si c'est un hectare de la terre, une portion de terre. Vous serez capable d'hériter une portion de terre où vous pouvez construire votre résidence personnelle sur la terre. Vous serez capable de posséder les moissons de la terre afin de pouvoir vous nourrir, de nourrir votre famille. Et vous serez capable de posséder toutes les provisions du Seigneur. Dorénavant,
Tous ceux qui attendent au Seigneur, qui s'attendent au Seigneur, qui espèrent en l'Éternel, est-ce que je peux les voir? Où êtes-vous? Vous qui espérez en l'Éternel, vous allez hériter les possessions au nom de Jésus. Maintenant, avec cela, vous allez pouvoir avoir toutes les bonnes productions, les bonnes choses de la terre. Et vous allez continuer de servir le Seigneur. Vous serez en bonne santé. Donnez-moi un bon amen. Vous serez heureux. Donnez-moi un autre amen. Vous aurez sain et plus juste. Donnez-moi un bon amen. Votre vie sera une vie accomplie au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point à présent. Commencez avec des opportunités sur l'échelle de la prospérité préférable. La prospérité préférable. Quel genre de prospérité s'agit-il? 1 Jean, 3 Jean, j'allais dire. Un seul chapitre dans 3 Jean, verset 3. 3 Jean, verset 2. 3 Jean, dis-moi, 3 Jean. Dis-moi, bien-aimé, dis-moi, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit, la possibilité est là, existe, que tu as cette prospérité préférable. Ton âme prospère, tu es sauvé, tu es sanctifié, tu es saint. Tu es juste. Et maintenant, tu as les choses qui vont nourrir ton corps. Cela ne doit pas ôter la prospérité de cette âme. Mais, il dit maintenant, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Qu'en est-il si quelqu'un a de l'argent et il doit dépenser tout cet argent-là sur l'hypertension, sur le diabète, il doit dépenser tout cet argent sur des maladies de tout genre, des maladies qui troublent et n'ont pas la pensée tranquille, et n'ont pas la pensée tranquille pour juste du boulot qu'ils ont. Mais Dieu dit, vous, votre âme va prospérer et votre corps sera en bonne santé, en bon point, au nom de Jésus. Ensuite, afin que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, les choses matérielles, tout ce dont tu as besoin pour que la vie soit enrichie, la vie soit accomplie, la vie soit heureuse, tu les auras au nom de Jésus. À présent, comment cela peut-il se produire? Vous commencez avec les opportunités sur l'échelle de la prospérité préférable, l'échelle du succès, l'échelle de la prospérité. C'est comme une échelle. Vous commencez au premier escalier. Vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Quand vous commencez et vous avancez. Comme les opportunités vont se présenter, ensuite vous allez monter plus haut. Comme les doors, les portes ouvertes se présentent à vous. Et maintenant, vous tenez ferme sur l'échelle et vous avancez plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'à ce que vous atteignez le sommet. Et vous regardez maintenant en bas le fond de l'échelle et vous allez oublier toutes les privations, les manquements du passé, toutes ces misères du passé. Nous ne pourrons pas monter avec vous sur l'échelle. Comment allons-nous commencer? Nous commençons comme nous montons l'échelle de la prospérité préférable. Nous commençons à partir de Job, Job chapitre 8, verset 6. Job chapitre 8, Job chapitre 8, verset 6. Si tu es juste et droit, certainement, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton à ton innocente demeure. Il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Tu n'as pas entendu ceci pour dire amen. Verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Lorsque tu as commencé au bas de l'échelle, ce serait comme votre prospérité ne semble être rien. Ne méprisez pas, ne négligez pas les jours de faible commencement. Peu importe ce que vous avez utilisé cela, dites, je viens juste de commencer et je vais commencer avec ceci, je commence avec peu. Je ne dis pas que je serai comme cet homme-là,
ce milliardaire, cet homme qui est dans l'affaire il y a 20 ans, je vais atteindre son niveau maintenant. Va doucement, non. Vous commencez avec ce que vous avez. Oui, bien que vous ayez commencé faiblement, mais votre demeure sera plus grande. Votre prospérité sera plus grande. Voyons et fortifiez-vous dans le Seigneur. Comme vous commencez avec ces petites choses au bas de l'échelle, fortifiez-vous que vos mains ne faiblissent point. À ce commencement, ne regardez pas en arrière, ne murmurez pas ce que j'ai après tant d'années d'études. Faites-le et ne permettez pas à ce que vos mains s'affaiblissent. Mais parce que vos œuvres seront récompensées, il y aura un salaire pour vos œuvres. Quand vous êtes occupé à faire ces choses, comme au commencement qui semble être rien, le Seigneur récompensera tous vos efforts au nom de Jésus. Psaume chapitre 104, verset 23. Psaume 104, verset 23 et 24. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Quand vous avez quelque chose à faire, quand vous trouvez quelque chose à faire, faites en sorte que vous êtes diligent. Quand vous levez le matin, il n'y a pas un professeur, un enseignant, comme un coach, un entraîneur, ne pourra venir chez vous pour dire, « Ah, lève-toi, pourquoi ne te réveilles pas toi ?» Non, c'est à toi de prendre la décision pour dire, « Comme je suis en train de monter l'échelle de la prospérité, maintenant, je vais à mon travail, je sors pour me rendre à mon ouvrage, et je vais m'y pencher, je vais rester là, jusqu'au temps de la clôture. » Verset 24, « Que tes œuvres sont en grand nombre, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens, quand vous travaillez tout les jours, vous aurez votre proportion des richesses au nom de Jésus. » Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, ne te plains pas. Ne dis pas ceci, c'est petit. Ne dis pas que je n'aime pas mon travail. Développe le désir et le plaisir à faire. Apprécie-le. Apprécie le fait que Dieu t'a donné ce travail. Si tu balais le sol, fais-le joyeusement, de manière heureuse, de manière meilleure, plus que toute autre personne. Si vous êtes un secrétaire, si vous êtes quelqu'un qui tape, vous, un opérateur de saisie, vous devez le faire. Si vous êtes un vendeur, faites-le de manière meilleure que n'importe qui. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, dans n'importe quelle profession, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le avec ta pensée, avec ta force, fais-le avec la compréhension que tu as, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas dès maintenant jusqu'au temps de votre dernier souffle. Dès maintenant, juste au temps où Christ reviendra pour toi, maintenant sois enthousiasmé, fais ce que tu dois faire de manière dégourdie, de manière joyeuse, et le Seigneur t'amènera à grimper plus haut au sommet de l'échelle du succès au nom de Jésus. Romains chapitre 12, verset 11, nous lisons le verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. L'œuvre que vous avez, le travail que vous avez entre les mains, ne dormez pas, ne somnolez pas. Venez à ce travail, dans cette affaire, avec la pensée, avec toute votre pensée, avec votre cœur, votre cerveau, votre vision, avec la lumière, avec la focalisation, la concentration. Faites-le avec concentration. Ne le faites pas pour dire, ah, c'est le meilleur que je puisse donner. Si cette situation vient du chef, si ce n'était pas papa, la pire des choses, c'est de me licencier. Est-ce que vous demandez aux gens de vous licencier? Non, ne le faites pas. Allez à ce travail et donnez votre meilleur. Avant d'aller là-bas,
tous ceux qui étaient là, ils ont fait ce même travail. Si ce n'était pas dans ce travail, dans ce bureau, ils l'ont fait. Et ils sont en train de produire des résultats. Ils sont en train de réussir. Et le marché est en train d'avancer, de prospérer. Ils sont en train d'avoir des prix, de remporter des prix. Vous êtes des croyants. Et tu es croyant, tu es dans ce travail. Ne sois pas paresseux dans le travail. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Et dit, nous devons travailler. Notre travail, nous devons voir notre travail comme l'expression de notre service au Seigneur. Et le Seigneur te rendra prospère au nom de Jésus. Nous revenons dans Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, dans le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Verset 3, c'est pour vous. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Comme vous sortez aujourd'hui, tout ce que vous toucherez par vos mains, cette chose prospérera. Tout ce que tu feras réussira. Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel, vous louerez l'Éternel. Les bénédictions du Seigneur vont vous pousser à le louer. Les bonnes choses que Dieu fera dans votre vie, dans votre famille, à travers votre vie, ces choses vont vous exciter à louer le Seigneur, l'Éternel, au nom de Jésus. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Voyez le verset 2. Verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. Vos enfants seront puissants sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Verset 3. Dans le verset 3, il a dans sa maison bien-être et richesse. Rendez cela personnel. Le Seigneur va le confirmer dans votre vie au nom de Jésus. J'ai dans ma maison bien-être et richesse. Et ma justice subsiste à jamais. Verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Vos ténèbres disparaîtront pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Verset 5. À présent, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête comme Dieu te bénit. Tu fais couler cela à d'autres personnes. Tu fais en sorte que les bénédictions de Dieu quittent votre vie, ta vie, pour atteindre les autres, qui règle ses actions d'après la justice. Comme tu marches, tu sais ce qu'il faut dire, tu sais ce qu'il faut donner, tu sais comment être une bénédiction pour d'autres personnes. Tu équilibres tes dépenses et tu fais de l'épargne. Et tu gardes ce que tu peux et tu vas investir dans les affaires afin qu'il y ait vraiment un progrès régulier, continuel. Il règle ses actions d'après la justice. Verset 6. Car il ne chancelle jamais. La pandémie ne te fera pas chanceler. Les troubles de la vie ne te feront pas chanceler. Peu importe les mauvaises nouvelles que vous entendez, les mauvaises informations. Ceci est arrivé à tel. Cela ne t'arrivera pas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun malheur ne te visitera dans ta maison, dans ta demeure. Au nom de Jésus. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste
dure toujours. Dans le verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles. C'est un homme paresseux qui dira, ah, il y a un lion sur la voie, hein? Il y a un lion, je ne peux pas sortir. Il y a un danger sur la voie, sur le chemin, je ne pourrai pas sortir. Il y a tellement de pression, je ne peux pas faire ceci. Celui qui connaît que Dieu est avec lui et que Dieu est avec toi. Si tu sors, Dieu sera avec toi. Et comme tu reviens à la maison, Dieu sera avec toi. Et comme tu vas au lieu de ton devoir, de la mission, du travail, le Seigneur te protégera. Le Seigneur te protégera. Et la montagne, il sera comme toi. Son cœur est ferme et confiant à l'Éternel. Comme la montagne, l'Éternel Dieu de Dieu, l'Éternel Dieu va t'entourer. Et ses anges vont t'entourer. Et tu n'auras pas peur au nom de Jésus-Christ. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. J'ai fixé mon objectif. Mon cœur est fixé. Son cœur est fixé. Son cœur est ferme. Cette prospérité que le Seigneur a pourvue, qu'il a promise pour moi, je vais l'obtenir, je vais parvenir là-bas. Mon cœur est fixé, mon cœur est ferme. Rien ne pourra déstabiliser mon cœur, ne pourra me déstabiliser. Mon cœur est ferme. Un tel homme, un pareil homme, une pareille femme, tu seras un grand réalisateur, une grande réalisatrice. Son cœur est affermi. Son cœur est affermi. Verset 8, et n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Verset 9. Il fait des largesses. Il donne aux pauvres. Sa justice dure pour toujours. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élèvera avec gloire. Le Seigneur est là. Il veut élever chaque croyant à l'honneur, à la place d'honneur. Il veut élever aux croyants. Il va élever le croyant au bonheur, à la joie, à la place de richesse, à la position de richesse, de trésor, d'abondance, de la prospérité. Ensuite, avec tout ceci cumulé, il te donnera la vie éternelle qu'il a donnée spirituellement. Vous allez prospérer dans votre santé, vous allez prospérer de manière matérielle, vous allez prospérer et dans tous les domaines de votre vie. Tout cela sera rempli de joie et de l'accomplissement de ses promesses au nom de Jésus. Levez-vous et soyez l'homme, la femme que le Seigneur veut bénir, que le Seigneur veut que tu sois. À présent, levons-nous, présentons au Seigneur toujours dans la prière pour dire Seigneur, merci pour la révélation. Seigneur, je ne suis pas comme cet homme isolé qui est envieux de la prospérité des autres, des méchants, qui envie. Mais à présent, je sais que les promesses que tu m'as faites, la promesse que tu as faite à Abraham, et ce que tu me donnes maintenant, comme un descendant d'Abraham, travaillant dans la foi d'Abraham, lève-toi et reçois. Lève-toi